Eh bien, salut les musclors, j'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, haltérophiles et sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, je vous présente le Paladin Control. Donc voilà, une des classes que je joue un petit peu en stream aujourd'hui. J'ai même pas mal joué, ça s'est bien passé. Très très puissante dans la méta pour plusieurs raisons, tout simplement parce qu'il y a pas mal de decks aggro et c'est quand même pas mal fort contre les decks aggro. En plus de ça, c'est assez rafraîchissant et on s'y attend pas du tout. La plupart des gens s'attendent à un Paladin impair. Et en plus de ça, il y a le guest, vous pouvez même en rentrer deux, et le guest à l'heure actuelle dans la méta est très très fort parce qu'il y a de moins en moins de decks qui jouent le guest, et moins il y a de decks qui jouent le guest, plus il y a de decks qui jouent des cartes à 1, et plus il y a de decks qui jouent des cartes à 1, plus si vous avez un guest dans votre deck, donc le guest rodeur qui est juste là, plus la carte est forte. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la decklist, évidemment je vous la mets dans la description, très bonne decklist à essayer, c'est pas une decklist top méta ou quoi que ce soit, mais c'est extrêmement rafraîchissant et c'est assez sympa à jouer. On va la jouer un petit peu ensemble, on va partir là-dessus et on va voir un petit peu ce que ça va donner ensemble. Mais je l'ai joué un petit peu en stream, on a fait un bon score avec, donc voilà, je suis content de vous la représenter un petit peu dans une méta où ça se passe bien. Moi j'adore le Paladin Control, je vous ai présenté plein de Paladin Control avec plein de versions différentes, plus ou moins puissantes. Là c'est juste un régal celle-ci, donc voilà, let's go. On est contre Malfufu, mesdames et messieurs, allons-y. Alors, champion en vrai argent, c'est quand même pas mal fort dans beaucoup de match-up, mais contre lui, c'est pas forcément très fort. On va tout enlever ici, on va aller chercher des œufs contre Druid, c'est très important, des œufs et des cubes. Alors, dans la decklist, on a 4 œufs, 4 œufs et 2 cubes, et on a armée infinie de Kangor, qui est très très puissante, l'armée infinie, qui vous permet... de ressusciter les 8-8 hein, tout simplement. Avec Ziliax, des fois c'est des 11-10 bouclier divin, donc c'est quand même plutôt puissant. Et puis vous avez également le sort à 5, je sais plus comment il s'appelle, qui vous permet de... est-ce que je pièce un des deux? Non, je pense pas. Après il a des acklis. Il a des acklis, ça peut être sympa. Mais sinon c'est... je joue ça, je joue... ah, j'aimerais bien piécer lui et... ouais, je pense que je vais plutôt genre piécer lui et ensuite cube dessus directement. Ça me paraît plus intelligent que de piécer des œufs que je pourrais pas déclencher dans tous les cas. Je joue pas Hunter, hein, évidemment. Alors, donc là, je vais jouer soit lui, peut-être c'est plutôt Acolyte ici. Acolyte de la souffrance, qui est pas dégueulasse. Ah, ouais, juste Acolyte de la souffrance. Attends, je piège lui. C'est quand même plutôt sympa, plutôt chouette. Et on va voir. Et on joue aussi le sort à 1, donc qui baisse, le sort à 5, pardon, qui baisse, ou qui augmente, en tout cas, qui fixe l'attaque et la défense des créatures à 5. À 1, pardon. Ils sont très mal. Qui fixe l'attaque et la défense à 1. Donc c'est assez sympa pour tuer les créatures adverses. Ça marche avec Pyromancien telle une égalité, vu que ça fixe à 1 aussi les HP. Mais ça fixe aussi à 1 l'attaque. Donc c'est bien pour les œufs quand vous avez plein d'œufs sur le board, notamment 2 pardon sur le board, notamment avec les cubes. Vous pouvez en avoir quand même pas mal. Et donc du coup ça vous permet de suicider vos cubes, vous qui les passez à 1 d'attaque. Vous avez également 2 défenseurs but pierre qui vous permettent de bien tanker et de potentiellement aller chercher des tarims pour les œufs. Vous avez vous-même un tarim dans le deck. C'est une decklist très 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 polyvalente. Oula, par contre lui j'ai pas l'impression qu'il est. Une main extraordinaire. J'ai pas l'impression que sa main soit formidable. Hein. Ok, tu es au power face pépouze. Ça se fait plaisir. Hop là. On joue tout de suite. Et on a une 8-8 sur le board. La 8-8. J'entends, je ferai probablement double œuf. Vu que j'ai pas trop peur du. Vous savez, du play envahissante. Il pourrait juste caler une play ici. Auquel cas, je vais pas faire le moussu tout de suite. Je vais garder pour la deuxième play. Balayage, balayage? Non, balayage et spellstone, j'imagine. C'est dommage parce que j'ai un guest et le guest il est très très fort contre druide. J'aurais aimé par exemple éviter cette carte là typiquement. Ouais, je vais faire comme ça je pense. S'il fait DK, je fais hospice, hospice. Ok, hurlement féroce, on sait pas ce qu'il joue, c'est possible qu'il joue Togo Eagle. Oh, Brandy de l'armement, j'ai un Harrison Jones dans le deck. Ça peut être sympa de le toucher. Petit tarim. Pas de petit tarim. Défenseur Omega. C'est sympa ça, c'est chouette ça. Ou pas? Il peut pas... il peut pas dans tous les cas faire play envahissant du cassin. C'est pas dégueulasse. C'est pas fou. C'est pas dégueulasse. Oh, il va le gérer.
Oh, ok, il va juste tuer une 0-2, d'accord. Il va tuer les deux 0-2 pour Camaro. Ok. C'est intelligent, c'est intelligent. Après, je récupère mes machins quand même. Putain, les deux jaspes avant le guest, quoi. Ouais, je suis tellement deg. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, donne-moi des bonnes cartes. Oh, le guest. Bon, bah, mieux vaut tard que jamais, hein. Comme disent les gens. Putain. Ce moment où tu lui enlèves rien, quoi. What the fuck? Oh, je suis trop deg, quoi. Il a pas d'acli dans le deck. Ok, intéressant. Oh là là, je suis tellement deg. Au prochain tour, je fais moussu. J'apporte la Oh. Il faudra Rice on Jones. Fast, chante esprit, Umbra. Je décale, je tape dans la 8-8, non? Ça m'a l'air plutôt chouette. Alors, on monte à 17, on était à 15. Et on gère surtout cette 8-8 qui est quand même vachement embêtante. Après, il l'a claqué vachement tôt. Après, vous me direz, avec sa sortie Brindille, il a moyen qu'il puisse trouver un létal fast. Il lui manque encore un tour. Moi, j'ai encore un tour pour toucher mon Harrison. J'ai encore un. Bah, j'ai le prochain tour pour toucher Harrison. C'est pas beaucoup, mais. Si je le touche, c'est chouette. Un Tarim, ça serait cool aussi. Tarim ou Harrison, ça serait cool. Harrison, c'est le meilleur. Oh là là. Oh là là, il défausse de la merde en plus. Oh là là, je me fais rouler dessus. Une égalité aussi qui peut être sympa. Il y a tellement de bonnes cartes. What the fuck? Ok, rayon réducteur. Donc voilà, c'était rayon réducteur hein, dont je parlais évidemment tout à l'heure. Oh, j'ai oublié de taper avec ça. Non, je peux pas taper. Non, je peux pas. Eh ben. Ok, on fait juste ça. J'ai double 8-8 et je suis à 16. Est-ce qu'il peut me tuer avec Maligo? S'il peut en soi, hein. Techniquement, il peut. Il a déjà joué deux balayages, mais avec double Moonfire, peut-être. Moonfire et. Non, il peut plus. Il peut plus me tuer avec Maligo, je crois. C'est comment? Il faut qu'il joue Maligo s'il tape face. Et ensuite il a 16, il a 12 de plus. Mais ça suffit pas exactement. On va voir. C'est un beau top deck en tout cas là. Je me demande. Ok. Après on a double 8-8 et il a pas d'acli donc peut-être qu'il va galérer. Hurlement féroce, c'est bien, je vais pouvoir me soigner encore un peu. Ça serait bien qu'il ait pas d'anti-arme aussi. Ou que moi j'ai mon anti-arme. Je m'en fous qu'il a l'anti-arme si moi j'ai le mien. Je veux bien faire un compromis. Je veux bien. Waouh. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. On va juste jouer à ce gros taunt. J'ai l'impression qu'il a joué un petit peu bizarrement là. Quand même, mine de rien. On monte à 20, c'est très fort. Hein. Uther de la lame d'ébène, évidemment, qui vous soigne énormément. Et puis au prochain tour, j'ai quand même beaucoup de dégâts. Putain, je lui ai rentré tellement de patates avec le 8-8. Il a eu combien d'HP là? J'ai l'impression que je lui ai rentré 10 000 dégâts, le mec. Bon, du coup, ça veut aussi dire que tu gères pas ça. Donc là, tu vas prendre vraiment cher. Oh non, 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 non. Mais non, mais gros. Mais gros! Ça devait pas se passer comme ça, voyons, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me fais, dude? Oh là là, ça me coûte cher ça. Ça fait mal aux boules. Ça fait mal aux boules, mes amis. Putain, elle a volé la meilleure, quoi. Je suis trop deg. J'ai joué de double balayage. C'est pas sûr qu'il arrivera à gérer ça. Il lui reste genre une colère éventuellement. Oh là là, oh là là, mais la chance du mec, j'aurais pas dû faire au power. What the fuck, c'est impossible, tu veux pas voler la meilleure à chaque fois et avoir toute ta réponse. J'aurais pas dû faire au power. Mais je m'attendais pas à ce qu'il ait double contrôleur mental. Après, la façon dont il a joué, c'était assez bizarre. C'est vrai que j'aurais dû l'anticiper finalement. Ok, bon. On va faire avec ce qu'on a, hein, mesdames et messieurs. Est-ce que je fais Tyrion ou est-ce que je fais Tarim? Tarim est plus fort ici. Hein. Tarim est un peu plus puissant. Elle est un petit peu inquiétante cette carte. Est-ce que je fais Auspice Funeste pour me protéger du prochain tour? Et au prochain tour, je fais. Ouais, c'est bien ça. J'aime bien. Et au prochain tour, je peux faire Armée Infinie ou Tyrion. C'est de mana. Fais gaffe, hein, la fatigue quand même. Après, il joue probablement une version Togwaggle et machin en même temps. C'est possible. Hein. Là, s'il joue la 4-4 par exemple, pour baisser son prix. Ah non.
Intéressant. Arme infinie, il me faut le maximum de 8-8. Une seule 8-8. Très bien. La mort n'est qu'un contre-temps. Mais s'il joue Togwaggle. S'il joue Togwaggle, pourquoi il a joué à. C'est bizarre, hein. Alors. J'ai envie de faire ça pour piocher avant. En plus, ça, je me soigne, donc c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de paix pour nous, pas de repos. S'il fait sa combo et récupère ma main, il a des champions en vrai argent, il a un Tyrion. Je pense que c'est phase quand même en vrai. Je lui mets plus de dégâts et j'ai l'étal s'il fait la combo. Il peut me tuer ou pas? Il peut pas me tuer hein. Techniquement il peut pas me tuer. Il peut pas parce que même s'il a baissé là son Maligos. Il joue pas Togwaggle, je pense pas qu'il joue de la combo Togwaggle et machin parce qu'il jouait pas d'Aklim. Donc là s'il fait son Mali. Il a pas beaucoup de dégâts parce qu'il a déjà joué double balayage en fait. Mais il a joué vachement agressivement, c'était assez étrange, il a fait une sortie de malade. Mais il a joué trop agressivement. Il lui a manqué une croissance sauvage pour que son gameplay agressif paye en fait. Après bon. Ouais. C'est bizarre pourquoi il s'est envoyé la. Il a joué trop bizarrement, je sais pas quoi vous dire. C'est trop dur d'analyser un gameplay de quelqu'un qui. Tu sais qui joue pas normalement quoi. Là je vois pas trop comment il se sauve. Il lui reste une plaie envahissante, donc rien n'est perdu pour lui hein, mais. Il reste une plaie envahissante, mais moi j'ai une égalité là-dedans, j'ai même deux égalités. Donc j'ai une chance sur 3 d'en plus chez une. Un petit 33% hein, de gagner la partie. Ah, il a rage quit. Il a rage quit, ok. Bon bah chouette. Allez, on s'en fait une. On s'en fait une les potos, let's go. Let's go, let's go. Il est agréable à jouer le deck. Honnêtement, il est vraiment agréable et même quand tu perds, je trouve que c'est vraiment cool à jouer. Après, de temps en temps, tu perds genre contre Voleur Quête ou des trucs comme ça, c'est quand même vachement dur. Ça dépend à quelle vitesse ils font la combo, mais t'as quand même vachement un kit très polyvalent, un kit de cartes très polyvalent. Tu peux te défendre contre aggro, tu peux tenir contrôle, tu peux tenir mid range, ça va, tu vois, c'est chouette. Je vais garder Guest contre lui, je pense. C'est pas forcément incroyable, mais ça peut être bien. Regardez lui, c'est un deck contrôle, hein, ne l'oubliez pas. Pam, pam. Attends, deux secondes. Pam. Alors. Alors, un petit peu de temps. Hunter c'est un matchup jouable, c'est un peu difficile s'il fait les play dead un peu trop vite. Après moi j'ai la réponse avec des égalités etc mais ça peut être complexe. Un petit tough. Mes œufs sont moins forts que les siens parce que lui il a vraiment beaucoup de trucs qui déclenchent la rade d'agonie. J'aimerais bien juste qu'il joue pas ses sorts à 1 avant mon guest. Ça serait juste cool parce qu'il a beaucoup de sorts à 1 lui. Il en a 6. Il a 2 tracking, 2 marques du chasseur et 2 play dead. Il y en a qui jouent qu'un seul marque du chasseur ou qu'un seul tracking ou qu'un seul play dead, ça dépend des gens mais. Il y a moyen en tout cas de se régaler. Nous verrons bien, mesdames et messieurs. Je sais pas si je préfère ça ou ça. Je pense que je préfère ça en vrai. Ok. Un secret, d'accord, il joue secret du coup. Bon, il en a moins que prévu. J'ai envie de déclencher son secret. Pas forcément tout de suite, hein. Ça après le guest c'est cool. Tour 4, tour 5, tour 6, tour 7. J'ai envie de championne hein. J'ai envie de championne de ouf hein. T'as peut-être un peu plus winning play de Umbra. Mais championne c'est un peu plus sexy. Parce que après elle est équipée sur 2 tours. Enfin, c'est pas grave si je déclenche pas ça tout de suite. Oh fuck. C'était Snake. C'était Snake pendant tout ce temps. J'avais peur que ce soit évidemment monstre errant, j'avais pas envie de lui donner une créature bêtement. Alors je tue cette petite bête là. Tranquillement, rien de bien grave. J'ai un Harrison Jones qui peut être pas mal.
dans cette contre lui. Oh wow. On se prive de rien. On ne se prive de rien. Ok, bon bah, on va je tuer lui. Et on va jouer. Est-ce que je joue Chant Esprit Ombra? En mode il va trade dedans. C'est peut-être pas mal hein. En vrai si j'économise mes HP, je suis quasiment sûr de gagner je pense. Parce que là s'il prend ce trade, moi derrière je fais guess, derrière je fais ça, il a plus de marque du chasseur pour le tuer. Ça peut être vraiment chouette. Ok. Et il va lui donner genre bouclier divin ou une connerie comme ça. Les plantes, ok. Tuzuliax, allez. Aïe aïe aïe, je lui enlève rien de sa main. Ah, il a que les deux pistages, ok. Bon. Moins bien que prévu, moins bien que prévu. Ça c'est incroyable là. Ces variantes de ce deck là. Oui, il va aller face. Il peut aller double face. Hein. Ça m'embête mais... Ah, fuck. Fuck. Fuck le double face. Pas le double face. New, mon unique point faible. C'est bien ça. Ça clean le board, c'est pas mal. Et je me défends d'abord parce que là c'est vraiment beaucoup d'HP quand même sur le board. Enfin beaucoup d'HP pour lui en tout cas. Et j'espère qu'il va jouer une arme comme ça je pourrais piocher un peu. Yes! Top! Yes! L'arc corne d'aigle qui est développé directement ici. Oh waouh, ça c'est chiant. Oh c'est chiant de ouf ça. Mais non mamie! Voyons qu'est-ce que tu me fais. En vrai c'est ça et ça je pense. C'est juste ça. 3, 6, 9, 10, 11. Il gagne sur beaucoup de trucs mais juste jouer ça. En vrai c'est le winning play mais il y a moyen que ça me fasse perdre quoi. Il y a moyen que ça me fasse perdre. Mais par contre si ça me fait pas perdre je suis beaucoup mieux dans la partie. Juste ça pour me soigner un peu mais le Uther ce serait vraiment le top. Le Uther il soigne de 10, il est vraiment puissant le Uther. Parce qu'il donne 5 d'armure et l'arme soigne de 5. Oh fuck, 4, 3, 3, 6, 9, ouais, 13, 14, 15, aïe aïe aïe, le porc. Oh là là, c'est trop agressif là, je me suis un petit peu fait avoir, dommage, il m'aurait fallu peut-être des hospices ou tu sais genre des trucs pour gérer actuellement aggro, tu vois. J'ai rien eu de suffisamment défensif pour anti-aggro, à part la consec pour le coup. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais vous voyez l'idée du deck. Vous voyez l'idée du deck. De temps en temps vous vous faites arracher la game entre les doigts comme ça trop tôt dans la partie avant que vous ayez le temps de vous épanouir. Mais de temps en temps aussi vous allez faire des sorties complètement broken et invincibles. Donc ça dépend vraiment des games. Mais en tout cas la decklist est très chouette. Elle est très agréable à jouer, extrêmement rafraîchissante. C'est une decklist que je vous recommande un petit peu. Bon après si c'est pas une decklist mainstream ou quoi, c'est plus pour les gens qui veulent voilà varier un petit peu les plaisirs. J'espère que vous la kifferez. J'espère que vous aurez l'occasion de l'essayer. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos avis, vos suggestions pour les prochaines vidéos. Vous savez qu'il y a une vidéo par jour, tous les jours. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Mesdames et messieurs, tchuss.